C'est un nouveau journal du soir, ce jeudi 2 février sur la RTNT. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, troisième jour de la visite papale à Kinshasa, République démocratique du Congo, le Saint-Père, le pape François, a rencontré le jeune catholique à qui il a lancé un appel à la transformation du mal en bien et d'être le convertisseur de la haine en amour. Le politicien et plusieurs personnes ont réagi en saluant ces messages très importants pour la population congolaise à suivre dans ce journal. Inauguration de centre de santé à Boudjala par le ministre de la Santé. La population de ce coin aura désormais de bonnes conditions de prise en charge de santé de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu à ces 19h. Dans la poursuite des activités papales à Kinshasa, le souverain pontife était avec le jeune catholique au stade martyr. Le Saint-Père a dit aux jeunes de ne pas se laisser manipuler par des individus en quête de positionnement qui maintient la République démocratique du Congo dans la spirale de violence. Le pape François appelle les Congolais d'être le transformateur de la société. C'est avec une joie immense que la jeunesse congolaise a accueilli le pape François ce jeudi 2 février au stade de martyrs de la Pentecôte. Les jeunes ont écouté avec attention le message du numéro 1 de l'Église catholique centré sur la prière, la vie en communauté, l'honnêteté, le pardon et la petitesse. Le pape François a recommandé à la jeunesse la prière qui est l'arme la plus puissante, qui ouvre également des nouvelles possibilités et qui aide à vaincre la peur. Jeunes qui rêvent d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5. Que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur correspond la prière qui fait palpiter la vie. Regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt. C'est là que sont enfilées les alliances. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses. Et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. C'est une page de l'histoire pour la jeunesse congolaise qui ne voulait pas rater cette opportunité de voir le pape en face. Vous le dites madame, il y a 38 ans qu'un pape a foulé ses pieds sur le sol congolais. Notre sol, le sol de Lumumba, le sol de Malula, le sol d'Étienne Tshisekedi, il y a 38 ans. Et 38 ans après, jouir de la visite d'un pape est une bénédiction. Une bénédiction pour le peuple congolais, représenté par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une bénédiction pour le peuple catholique, représenté par son cardinal Ambongo, et pour nous jeunesse. C'est une grande joie, une grande bénédiction de recevoir le 266e pape ici dans notre pays. Cela prouve que ce pays est béni et aimé par Dieu. Venu pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, le chef de l'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique a visité le pays 10 ans après son élection. C'est ce dernier grand rassemblement du pape à Kinshasa qui a réuni non seulement le jeune catholique, mais également le jeune congolais dans son ensemble, qui d'ailleurs en majorité n'a pas voulu manquer ces grands rendez-vous, nous dit Elvira Ponzo. Le rendez-vous du stade des martyrs aura tenu toutes ses promesses d'affluence.
Ce qui était défini au départ comme une rencontre entre le Saint-Père et les jeunes catéchumènes s'est transformé en une rencontre entre le souverain pontife avec les jeunes de Kinshasa. Organisés en groupe, ils sont arrivés aux premières heures de la journée pour voir le Saint-Père et écouter son message. Nous sommes très contents de le recevoir en tout cas. Pour moi, c'est un peu un événement historique et on ne peut pas rater cette occasion de rater... Comment on appelle ça? De rater cette page de l'histoire qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on est super content en tant que chrétien catholique d'être aujourd'hui. Je suis juste très heureuse de le voir. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir rencontrer le pape en live et de pouvoir le rencontrer avec mes amis ici présents. J'attends que sa prière puisse nous aider ici au Congo, surtout en Est du Congo, là où tout le monde meurt chaque jour. On est là, joyeux, mais à l'Est et là-bas, il y a des gens qui meurent, donc on va prier aujourd'hui pour que la réconciliation en Jésus-Christ puisse venir dans notre pays qui est la RDC. Après le tour d'honneur en papa mobile, le Saint-Père s'est adressé aux jeunes en insistant sur le pardon et la lutte contre les antivaleurs. 38 ans après le passage du dernier pape, les jeunes ne voulaient pas rater cet instant. Ils sont marqués par ce message. Je dirais que c'est une grâce pour nous, pour cette nation qui a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'injustices en tout cas. Je dirais que Dieu est favorable pour la RDC. C'est vraiment une chance de le voir. Il nous a vraiment honoré tant qu'élève et tant que jeune de ce pays. L'événement du Stade des Martyrs est le dernier grand rassemblement avec la population de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre à Djouba, ce vendredi, le pape devrait s'adresser aux prêtres, religieuses et religieux. Au nombre de réactions, l'on note celle de Freddy Kita, ancien vice-ministre du plan, et celui du professeur David Koutangila, qui salue la visite pastorale du pape François en République démocratique du Congo. Ils sont tous au micro de Cédric Kenina. Monsieur le pape, depuis avant-hier, nous a vraiment bénis avec des messages forts. Hier encore à la messe, à la Lolo. C'était vraiment un grand jour, une grande bénédiction pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui fait face à une agression barbare de la part de nos ennemis. Et je tiens aussi à remercier personnellement, très particulièrement, le couple présidentiel qui a tout fait pour que le pape vienne chez nous au Congo. Vous savez, la jeunesse est la venue de demain. Donc vraiment, bravo encore au pape François, au Saint-Père, qui y a toujours pensé aux jeunes comme l'a fait son précédent, le pape Jean-Paul II. Nous avons tout suivi, il a tenu à recevoir les gens qui vivent à l'Est. Il y a une délégation qui est ici. Et vraiment, merci au Saint-Père pour cette marque de sympathie. Nous savons tous que notre pays fait face à une agression barbare de la part de nos voisins, mais avec l'arrivée du pape, nous osons croire que tout va s'arrêter. Je voulais aussi rappeler au peuple congolais, surtout aux tshisekedistes que nous sommes, ça fait 6 ans jour pour jour que notre président, le leader charismatique, Étienne Tshisekedi, nous a quittés. Et c'est un moment vraiment de méditation, de pensée, pour ces vaillants soldats de la démocratie, et ce qu'a dit notre père politique, bien sûr. Et je lance aussi un appel, comme je l'ai fait la fois dernière, à tout le sage du rassemblement. N'oubliez pas que nous étions au nombre de 8, de 10. Aujourd'hui, nous sommes restés au nombre de 8. Et je lance cet appel pour que le sage du rassemblement se réunisse désormais pour voir l'avenir de demain. Je félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son action diplomatique agissante, hein, qui commence à donner des fruits. En tout cas, félicitations. Des efforts diplomatiques grâce auxquels nous connaissons aujourd'hui l'avenue de Sa Sainteté, le pape François, le souverain pontife. Je salue le message qu'il lui a adressé, un message franc, sincère, qui a fait état essentiellement de la situation sécuritaire dans notre pays. Et je crois que le pape sera notre voix auprès de la communauté internationale
pour la plaidoirie de la paix au Congo. À Isiro, une évaluation et sensibilisation des intervenants dans les secteurs miniers a eu lieu avec la participation du gouverneur de province Christophe Basséane Nanga. C'est pour la perfection et l'efficacité dans ces secteurs. Damas Essolé nous en parle. Ils sont une vingtaine de prisonniers, dont une femme, jugée et condamnée, mais estimée assez dangereux pour purger leur peine au centre pénitentiaire d'Isiro, à être transférée vers la prison la plus sécurisée à Kisangani, dans la province de la Tchopo, sur instruction personnelle du gouverneur Christophe Basséane Nanga, toujours soucieux de la quiétude de sa population. Nous avons atteint un effectif un peu plus élevé par rapport à la capacité d'accueil. Alors, l'autorité provinciale a décidé à ce qu'on puisse désengorger la prison centrale d'Isiro. Quels soient les coûts, ils supportent. La question de la construction des prisons modernes dans le Haut-Uele est alors d'actualité et le gouvernement central invité à mettre la main à la pâte. La construction des prisons pour cette organisation des services pénitentiaires relève du pouvoir central. Et donc l'autorité provinciale, pour autant que ça prenait beaucoup de temps, s'y était engagée. Elle a amorcé un processus, ce qui n'exclut pas l'intervention du pouvoir central. Pendant que ce désengorgement s'effectue, il est signalé la mise aux arrêts par les éléments de la police nationale congolaise du chef de bande des malfaiteurs qui couraient les rues après les tueries de la fin de l'année 2022 dans la ville d'Isiro. Pendant ce temps, au Nord Kivu, la société civile salue les efforts de l'armée congolaise engagée au front avec une détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la restauration de la paix. Elle a marché sur les artères de Goma, les effigies et drapelé Skanda, non à l'agression. Des explications avec Serge Merlin-Mata. Paris réussit pour les organisateurs de cette manifestation pacifique, des veilles patriotiques, les forces vives, la société civile, des Goma, de toutes tendances confondues, et surtout, membres de la génération 4 étaient dans la rue, en vue de témoigner leur indéfectible soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui se trouvent sur diverses lignes de front, et aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la pacification totale de l'Est du pays. Cette marche de soutien a eu un effet boomerang, initié par le président national de la génération 4. Cette marche pacifique, partie de l'aéroport de Goma, a eu pour point de chute les stades des volcans. Là, Gaston Fumu Tshiamba a appelé la population locale lors des échanges à l'unité, à la paix et à la cohésion sociale afin de faire échec au plan de déstabilisation du pays. Il a par la même occasion sensibilisé la population de cette partie du territoire national à se prendre en charge et à se ranger derrière les FARDC, les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour trouver la paix à l'Est, bien avant d'inviter la jeunesse à intégrer massivement l'armée congolaise. Juste après cette marche pacifique des soutiens aux FARDC et aux chefs de l'État, une délégation de la génération 4 conduite par son président national, Gaston Fumu Tshiamba, s'est rendu au camp des Kanyarushinyan. Question de réconforter et d'apporter un message d'encouragement à tous ces déplacés en détresse. Les enrôlements des Congolais à l'étranger ont déjà commencé. Le vice-président de la CENI, Didi Manara, s'est rendu en Belgique pour une supervision managériale et opérationnelle. Sur place à Bruxelles, il a animé un cadre de concertation consacré à l'évolution de l'enrôlement des électeurs congolais vivant en Belgique. La salle de banquet de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique a servi de cadre à une séance d'échange public entre Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, et les Congolais résidents dans ce pays. Un cadre de concertation tenu une semaine après le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle participent massivement ces Congolais. Axé sur le thème conditions d'éligibilité pour obtenir la carte d'électeur, mesures d'application de la loi portant identification et enregistrement des électeurs congolais résidant en Belgique. Au total, une centaine de personnes ont pris part à ces échanges riches en informations consacrées essentiellement à l'évolution de l'enrôlement des électeurs.
Pour sa part, Didi Manara-Linga a indiqué qu'après quelques jours seulement, des statistiques sont encourageantes pour l'enrôlement en faveur des Congolais. Déjà à ce jour, on compte 500 personnes qui se sont soumises à l'exercice. Le pays doit se développer et ce développement doit commencer à la base, c'est-à-dire dans des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. D'où cet appel de la population du Mai Ndombé par le viscère du chef de l'État qui a tenu un meeting pour annoncer le début de travaux de développement à la base de 145 territoires. Reportage Béatrice Chaco. La présence de Michel Kamboua Lomanga, cadre de l'UDPS dans les territoires de Kiri et Oshwe, province de Mai Ndombé, est porteuse des solutions de développement sous la supervision du secrétaire général de l'UDPS. Michel Kamba dans le Mai Ndombé a transmis le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'expliquant à cette population les sérieux et la valeur de l'impact du vaste programme de développement local de 145 territoires et surtout assurer ses frères et sœurs de la détermination du gouvernement de la République d'organiser les élections en décembre 2023 et que le processus électoral est devenu irréversible. Il faut donc s'enrôler massivement, pas de distraction, a-t-il insisté dans son message de sensibilisation adressé à la population lors d'un meeting organisé le lundi 30 janvier 2023 au secteur de Pendjoa, territoire de Kiri, partout où il est passé. Michel Kambou, président interfédéral de l'UDPS, Mai Ndombé a déploré l'état des ponts abandonnés et autres infrastructures des bases. L'envoyé de Tshisekedi dans le Mai Ndombé a souligné que la solution est déjà là avec le début des travaux des 145 territoires. Nous l'appelons béton grâce à ces œuvres de la reconstruction du pays. Le chef de l'État m'a choisi et il m'a donné des moyens pour la reconstruction du territoire de Kiri et Oshwe. Les ingénieurs sont déjà là pour le démarrage de travaux. Pour permettre aux jeunes de se maintenir en bonne condition physique, chemin faisant, des vareuses et ballons pour le football leur ont été distribués accompagnés d'une enveloppe. Le centre de santé des Yakamba et de Mbaya à Boudjala ont été inaugurés par le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani après une visite au centre de santé de Akula en pleine réhabilitation et rééquipement en matériel par l'UGPDSS. Cette réhabilitation au sud de Bangui s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement de faire renaître 176 centres de santé à travers le pays grâce à un financement de la Banque mondiale. Images et commentaires. La mise en œuvre du programme couverture santé universelle sera possible dans la province du sud Ubangi après cette inauguration des centres de santé de Yakamba et Mbaya dans le territoire de Boudjala pour améliorer la prise en charge sanitaire de population dans ce coin du pays. Ce programme du gouvernement, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, a également assuré cette réhabilitation profonde dans le sud d'Ubangi. Dans la province du sud d'Ubangi, les interventions du PDSS couvrent toutes les 16 zones de santé et toutes ces structures bénéficient des subsides chaque trimestre, des approvisionnements en médicaments et d'un appui important en investissement. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, qui a aussi visité le centre de santé de Akula, toujours à Boudjala, le 25 janvier 2023, après la remise officielle à la population des centres de santé de Yakamba et Mbaya, a salué la qualité de travail abattu par le PDSS et appelle aux gestionnaires de l'utiliser en bon escient au profit de populations locales. Na Bundani, na niveau national. En tant que ministre de la Santé, nous venons répondre à la demande de la population. Ce bâtiment va servir d'un centre de santé moderne. Il sera construit et équipé par l'UGPDSS. Total.
Ces centres inaugurés, dotés en équipements et matériels médicaux acquis sur financement du gouvernement congolais, s'inscrit dans le programme de 176 formations sanitaires à construire par le PDSS dans 10 provinces du pays qui l'appuient. Parlons à présent de cette commémoration de la mort de Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. 6 ans après sa mort, Étienne Tshisekedi reste un modèle de constance politique et de résilience face à l'oppression. Pour marquer cette date d'une pierre blanche, l'Union pour les valeurs Tshisekedi, du moins une délégation de cette formation politique, était au mausolée du Sphinx pour lui rendre hommage. Nos reporters Cédric Kenina étaient sur place. 6 ans dans l'au-delà, Étienne Tshisekedi est entré dans les panthéons politiques des immortels. L'Union pour les valeurs tshisekédistes est allée lui rendre hommage au mausolée lui dédié. L'UVT trouve tout son sens, y compris sa sève dans l'idéologie du Sphinx. C'est la vice-présidente nationale, Clarisse Bébi, qui a déposé la gerbe de fleurs après avoir laissé des empreintes sur cette terre sacrée. Et dans une brève déclaration, le vice-président national en charge des questions administratives, Jean-Pierre Serge Ibanza, a au nom de l'UVT réveillé les souvenirs d'Étienne Tshisekedi. Si nous sommes là aujourd'hui, nous UVT, c'est parce que ce monument qui est le héros national, j'ai cité le fait, docteur Tshisekedi Wamulumba Dérèse Mémoire, c'est parce qu'il nous a laissé des héritages, parmi lesquels nous avons l'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un héritage par excellence et qui est en train de tout faire pour que les valeurs prônées et défendues par l'effet docteur Étienne Tshisekedi soient promulguées, soient pérennisées et soient mises en pratique. Date anniversaire bénie qui coïncide avec la messe papale, comme pour dire, Étienne Tshisekedi a incarné les valeurs fondamentales de droit caractéristiques de notre communauté. Conquérir et conserver les pouvoirs est l'une des missions de partis politiques. Le militant du Parti Dynamique pour la démocratie au Congo ont été interpellés à travailler pour cet objectif. Son président l'a dit aux militants lors de la cérémonie d'échange de vœux. Joël Kayembe pour le commentaire. La gestion de la chose publique est un devoir pour tous. La Dynamique pour la démocratie au Congo a réuni pour sa première en 2023 les cadres sympathisants de cette structure politique. Le président national a donné des directives et perspectives à sa base politique. Sur base d'un programme, sur base des ambitions, de notre façon de voir le monde, d'un type idéal ou d'un type sociétal, la formation politique est là pour conquérir, ça c'est un, conquérir le pouvoir. Nous sommes dans un pays démocratique, de conquérir démocratiquement. Nous n'allons pas les conquérir pour laisser à d'autres. On va les conquérir et les exercer. Parce que la deuxième mission, l'exercice du pouvoir, la gestion de la chose publique. Et enfin, ce n'est pas un péché de mettre longtemps au pouvoir. Il faut savoir le conserver. Donc c'est une troisième mission, une autre mission d'un parti politique. La conservation du pouvoir, légalement, sur base de la constitution des lois de la République, comment conserver le pouvoir. Une rencontre politique aux couleurs d'échange de vœux pour espérer une année électorale réussie. C'est une grande première à Bounia, l'ouverture d'un centre de rééducation et réadaptation de personnes vivant avec handicap. Cette province de l'Ituri, vous le savez, sa population est victime de plusieurs atrocités, barbaries et des affres de guerre et a enregistré par conséquent la réduction de la mobilité de plusieurs personnes. Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de cette province, a visité ce centre. Effectuer de longues distances pour trouver des services de réadaptation physique. Désormais, les personnes vivant avec handicap physique seront prises en charge orthopédique au centre hospitalier de Wankole à travers son département de réadaptation physique. Ces nouveaux services portent des solutions aux problèmes de la population de l'Ituri, de provinces voisines,
voire l'Ouganda. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge en équipement et réhabilitation du bâtiment pour les présidents de personnes handicapées en Ituri. Ce programme constitue un ouf de soulagement pour cette catégorie sociale. Nous disons merci, merci beaucoup à son excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, parce qu'il a permis que les centres de rencontre avec les divisions de la santé, qu'on puisse construire un centre qui va nous soulager. L'empereur que nous portons, le trouver, ce n'était pas facile. Alors, nous remercions beaucoup avec cette sécurité, avec ce l'acte qu'on a signé pour que le centre soit construit au niveau de Bounia comme capitale de la province. Le gouverneur militaire qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces bijoux au lieutenant général Luboyanka Chumadjoni d'appeler les groupes armés à cesser la violence contre la population civile au profit du développement. Quand vous retrouvez devant ces handicapés, que vous vous rendez compte du mal que font nos frères. Donc, je demande aux Ituriens, je demande encore à ces groupes armés que ceux qui sont en train de faire du mal à tous nos frères ici, d'arrêter. Reconnu comme le premier centre en Ituri, le département de réadaptation physique organise plusieurs services à son sein, à savoir l'appareillage orthopédique, la kinésithérapie qui rend son origine dans le centre d'écriture. Matthieu 9, 6, lève-toi, prends ton lit et marche. Et puis, c'est communiqué de l'OCC qui totalise 49 ans à l'occasion, son directeur général adresse un message aux agents cadres de l'Office congolaise de contrôle. L'OCC renouvelle son engagement de tous les jours pour accomplir sa mission stratégique qui est l'évaluation et la conformité tierce partie à travers principalement les activités d'inspection, des certifications, de métrologie et d'essais pour la sécurité de la santé tant de la population que celle de l'économie nationale. Le 49 ans de l'OCC prépare ainsi le cinquantenaire de cette entreprise, tournée ensemble vers la même vision, à savoir l'accréditation intégrale dans nos branches clés des prestations, fournir sans relâche la démonstration de notre capacité, plus que hier, comme bâtisseur de la confiance et mérite par ricochet la confiance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu protège l'OCC et tout son personnel. C'est communiqué et signé le docteur Étienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC. C'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. À 20h, vous retrouverez Sandra Nyangi pour la grande édition du journal. Nous disons merci à Junior Yangumba qui a participé à la rédaction de ce journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Technologie au service des élections. Plus de fil d'attente.